Mais non, il va pas faire ce que j'imagine. Il va pas faire ce que j'imagine, mais non. Ok. Ok, attention, ça bouge. Oh, putain, ça bouge de ouf, là. Non. Les pleurs. Les pleurs. Dis-leur ce que tu penses de Chana, vas-y. Envoie. Porte de fils de pute que vous êtes. Non, on insulte pas les mecs. Non, mais elle est énervée. Non, t'énerve pas. Viens avec moi, toi. Ça m'a détendu, t'as vu? Ouais, je sais, c'est bien. Je vais en tuer trois, parce qu'une poubelle peut en contenir trois. On bat les couilles, ta gueule. Voilà, tu peux raconter ta vie, on s'en bat les couilles. Tu sais quoi, et ferme ta gueule. Oh, t'as vu, toi. Oh, Chana, tranquille avec lui, gentil, oh. Tranquille, Chana. Oh, là, les crozes, bio. Adoubillah, Hachatan Rachim. Putain, vous êtes des salopes. Ok, ce qui va se passer, c'est qu'on va lancer le braquage. Est-ce que comment on fait la Kama Sutra, s'il te plaît? La quoi? La Kama Sutra. Le Kama Sutra, elle parle. Tu peux faire un topo, s'il te plaît, Abdel? C'est quoi la Kama Sutra? T'es sérieux? Ouais. Il est sérieux, il connaît pas ça. C'est pas possible. C'est des positions. Non, même Soumer. Il est né il y a 15 ans, c'est pas possible. Elle me domine. Mais pourquoi il parle toujours de sexe, ce pervers sexuel qu'on a? Mais j'aime bien être pagodé par une femme. T'aimes bien faire quoi? Je crois que la police elle a été prévenue là. Putain. On va juste lancer le braquage. Là, y a la police, elle a été prévenue. On a dû se faire repérer, je sais pas quand, mais on s'est fait cramer. Hein. Putain de merde. Qu'est-ce qu'on fait alors? Putain, c'est en avorte ou? T'inquiète. On a des otages, tout va bien se passer. Hey Chana, la vie de ma mère, tu vas faire le rôle d'otage, ok? Rends-moi mon arme. Ouais, rends l'arme comme ça. Tu nous donnes. Ouais, comme ça, tu vas regarder si manigance des choses. Ouais. Bon, ils se ramènent alors. On va faire la négociation là. Combien de temps ils sont là? Un véhicule. Ok, je prends un véhicule. Bison, viens. Et une fois que tu arrives, Bison. Ouais, Chabdel, on laisse rien passer. Hein. On négocie dur. On s'en bat les couilles. Gros. S'ils veulent négocier, ils aillent se faire en lec. Rien à foutre de leur gueule. T'inquiète. Moi, je te laisse faire les négociations. Je sens que je vais bien rigoler en tout cas. Bah, ils vont vouloir négocier quoi? Les otages, c'est ça? C'est bouffon. Ils ont vraiment tout en lâcher un. Attends. On lâche zéro otage. On bat les couilles. Tu peux demander 25 000 dollars par otage. Déjà, je vais libérer un refrain là. Il a été condamné. Il a fait un attentat là, il y a pas longtemps. Putain. C'est qui? Si, Meskin. Ouais. Il a commandité des attentats là. Je sais pas, il y a quelques temps. Il a pris combien de temps? Ah, il a pris perpète, hein. Guantanamo, gros. J'arrive. Ils l'ont mis là-bas. Une histoire d'avion qui s'est crashé sur une tour, ça te rappelle des trucs? Ah ouais, non, toi aussi, je parle de mes sons. Ah ouais, mais il a commandité, gros. Il a pas rigolé, mais bon. C'est honteux. Mais c'était pas lui, vraiment, le boss, tu vois. Starf. Ah ouais, j'en ai un autre, là, aussi, là. Putain. Il a fait n'importe quoi avec une camionnette, là. Je sais pas, en France, là. Un vrai bouffon. Lui, il mérite de crever en prison, lui, par contre, bâtard. Ok, j'y vais. Qu'est-ce qu'ils font? Arme en main, direct, vas-y. Oh putain, ils ont amené la cavalerie, les bâtards! Les gars, je vous le jure là. Ah ouais, j'ai pas rigolé! Tu vas commencer par leur dire de pas faire de barrage. Ouais, comment ça? Je vais leur envoyer Régis s'ils font les fous. On peut tirer dans le ciel ou pas pour leur faire peur, non? Non, vous avez raison. Attendez, les frères, éloignez-vous. Ouais, Non, tranquille, je vais gérer. Bonsoir. Mais pas du tout! Ouais, pourquoi vous ramenez, vous bloquez la route déjà? Ah bah, on sécurise, monsieur. Ouais, parce qu'on a encore fait aucun deal, là. Faites ça, vous ramenez, vous mettez les gyros. C'est chiant, mais ça va être plus tard, ça, monsieur. On bat les couilles. Dis-lui de ranger la carnaline. Laissez un petit passage, les gars. Envoyez votre bagnole, là. Appelle ton stagiaire qui dégage deux ou trois bagnoles, là. Ça va être plus tard, ça, monsieur. Tu veux qu'on sorte avec nos pabuches ou pas? C'est pour vos véhicules, hein, c'est pour vous, hein. Sinon on va les dégager, hein, je vous le dis. Hein. Ah, tu m'as dit, c'est quoi la radio? C'est un petit passage pour l'instant. Viens. Exactement. Si vous voulez enlever, les gars, je tiens à vous prévenir, les flics, vous êtes pas en position de force pour négocier, donc je vous le dis direct, écoutez ce qu'on a à dire. Vous avez combien d'otages? Ah, on a 10 otages. 10 otages. Ah oui, quand même. Alors vous les voyez, les otages? On s'est pas foutu de votre gueule, hein. Ah, on les voit très bien. Ah, vrai boys band. Maintenant, vous nous prenez au sérieux maintenant ou pas? Écoutez, il y en a juste un qui est parti parce qu'il a fait de la merde. Ça compte comme un otage. Du coup, là, on va en problème. C'est possible de parler un par un aux otages, s'il vous plaît? Non, tu vas juste leur parler en même temps. D'abord, tu vas rebouger. Tu fais quoi, toi? Ne tirez pas. Il est nul son carkill, en plus, il y a un anti-carkill, mais il est con. Ne tirez pas. C'est bon, il est plus là. C'est bon, nickel, on reprend comme on était, allez. Il est con, mais c'est quoi
Eh Régis, voilà, exprime-toi Régis. Ah là, vous l'avez énervé maintenant. T'inquiète pas Régis, il y aura ton tour. Bon, tu vas pouvoir énervé, revendiquer, t'inquiète. Ouais, ça va, t'as envie de dire un truc? Vas-y, n'hésite pas, viens, parce qu'ils ont pas compris. Gueule, par contre, parce que la vie de ma mère, je vais te chibrer. Elle va te chibrer, frère, t'as compris? Vas-y, mets ton corps. Je te rage dessus, bon. Un peu. Et là, je viens de te faire un gros molar dans la chatte à ta mère. Non. Ah, normal les gars, tranquille, c'est les gars, c'est le quartier, c'est normal les gars, c'est le quartier, c'est normal. On n'insulte pas la famille. C'est bon. C'est le quartier. Moi du coup vous voulez quoi? Ouais c'est ça. En plus de la thune, j'ai encore une revendication très importante. Vous nous donnez tous la nationalité américaine, parce qu'il y a certains de mes frères là, ils sont. Ouais c'est vrai. Il y a certains de mes frères qui galèrent pour renouveler leur carte de séjour. On veut tous être américains. Ça c'est vrai ça. Une petite carte d'identité de votre nationalité. Exactement, et on met les noms qu'on veut, tu vois. On fait des papiers et vous les validez, rien à foutre. Des faux papiers. Exactement, passeport américain. Au nom d'eux. On vous donnera les noms, ne vous en faites pas. Bah mais comment on fait des faux papiers? On verra ça après pour les modalités. Ensuite, je voudrais qu'on libère Abdelbachir, emprisonné dans la prison de Guantanamo. Prison sous haute surveillance. Attentat, commanditaire des attentats, les tours là, tu vois, ce qui s'est passé là, il y a pas longtemps. Mais il l'a fait exprès ou il a pas fait exprès? Non, il a pas fait exprès, en fait, en gros, comment je dis? Il a pas fait exprès. Il était là au mauvais moment, au mauvais endroit, en fait, il avait une beba, il était en camis. Il a pas fait exprès, là. Il a juré. Lui, vous me libérez, c'est un cousin à nous, vous nous libérez, ok? Il a rien fait. Il est détenu dans des conditions pitoyables, misérables. Un otage en échange, et on vous le libère. Un otage, donnez un bout d'otage là, y'a pas moyen qu'on coupe un en deux là. Franchement, je vais en tuer au moins 3 ou 4. Ouais. Ça va pas être dur, autant pour me faire fête 20 ans ou 30 ans, comment je vais pas me faire fête pour en tuer 3. Régis, on comprend que dalle quand tu parles. Ouais, mais calme-toi Régis, parce qu'on donne les... D'autant qu'il me juge, je serai crevé. Vous êtes des pères de famille pour la plupart, non? Vous voulez rentrer en vie, non? Vous voulez pas que ça dégénère? Si t'es pas père de famille, frérot, t'as peut-être une mère qui a envie de te revoir, non? Oh non! Qu'est-ce qu'il y a, Régis? Bon, comme si elle était morte. Et ma maman, c'est toute ma vie. Sa mère est morte aussi. C'est toute ma vie, ma maman. Elle a Alzheimer. C'est pas grave. Voilà, vous avez parlé des darons, voilà. Hugo, s'il te plaît, explique-moi. Ça va aller. Arrêtez d'évoquer votre daronne, là, la prochaine fois, putain. Vous l'avez mis dans un sale état. On veut récupérer deux otages. Tu coupes pas la parole à Régis. Ouais, tu coupes pas la parole, il parle de sa vie là, c'est intime. 30 000 dollars. Sans respectueux, campeur. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Tout ça pour dire ça en plus? Dis à ton petit stagiaire là, qui arrête de couper les gens. Comme ça, hein, tu pourras voir ce qu'il y a dans ton rectum avec tes thermiques. Et qui reste à sa place là, ouvrir sa bouche là, et d'interrompre les gens. Vas-y, raconte ton histoire Régis, brave. T'inquiète pas qu'il va l'écouter. Entends Régis, raconte-nous une histoire. Ah ça, Stéphane, on y a été, c'est lui qui m'a fait tester ça. À 3h du mat, on partait d'une boîte, on se faisait chier, on allait au bain douche. Quand j'y étais la première fois, j'ai dit, c'est quoi ce bon son? On a fini. T'as des petites désinfectes, t'as des mouches. Ah, il est encore en train de parler? Ouais, laisse-le. Ouais, mais c'est bien beau de faire les strafings là et de danser devant eux, les gars, mais il faut qu'on avance là. Ils sont où là? Ils sont en train de ramener la thune là? On se barre ou quoi? Là, je suis prêt à dégainer quoi. Regarde sa tête à lui là, on dirait un champ de blé. Là, j'ai envie de lui mettre une balle là, ce bâtard là. Hein, tu mérites, hein, tu mérites de crever là maintenant, hein, avec le poumon percé. Putain. On prend la maille, on se casse, gros. Qu'est-ce qu'il me parle de plan? Il me parle de série, lui. Eh, au lieu de tergiverser, tu veux pas jouer au plus simple là? Parce que sinon, on va. Là, je pète ta cape, je suis en train de bouillir là. Regarde, tu vois. Le problème, c'est que là, on laisse trop de manœuvres là. Ouais, go là, go direct là. Ok, vous montez tous dans les hélicos. Maintenant, fast. Putain, ils sont juste derrière. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ils nous prennent en chasse, ces bâtards. Ouais, c'est bon, on se barre. Vu de ma mère, Régis, t'as un pistolet, tu vas en buter un ou deux, je te le dis, Régis. Ah. Putain de sa mère. Braquez-les. Vite, montez. Vas-y, on se casse. On a des otages. Monte. Qu'est-ce qui se passe? Ta gueule, l'otage, je te baïonne. Ferme ta gueule. Ok, bloquez-les. Il est où l'otage? L'otage, il est où? Bien joué. Voilà, ça c'était mon plan A, ça. T'as mais non, pas, il a mis les camions derrière, trop bien joué. Blacklist. Ils avaient préparé. Ça c'est le plan B, ça. Voilà, là c'était beau, ça. Plan B.
Comme diraient les Italiens, incredible. Ça c'est le plan C'est wow. Ça c'est le plan 8. Ah ouais, y'a trop de plans en fait, voilà. Wouah, je suis dans une série américaine ou quoi là? Une merde, c'est un truc de ouf. Ah ouais, c'était ça la prépa, d'accord. Ah ouais. Sautez vite. Ah ouais, mais je voulais que Régis leur mette une balle. Ah ouais? Ouais, il faut marquer le coup, un seul, t'en butes un seul. Pour montrer. Marque le coup, Régis. Ouais. Allez Régis, vas-y, je t'appelle plaisir. Régis, fais-toi plaisir. Arrête pas là. Vite. Arrêtez. Pourquoi lui c'est vrai, l'autre aussi? Non mais sors de la bagnole, attends, fais ça bien. Fais ça bien. Voilà. Ah ok. Ok, bon bah. Ah ouais, t'es à l'américaine Régis. Régis, on t'a dit une balle dans le genou. Bah, non. J'avoue qu'on avait dit. Non, je voulais un truc propre quoi, bon c'est pas grave. C'est parti. Oh putain, ah ouais, vous avez déployé les grands moyens les gars. Wouah. Ouh, ah je suis impressionné, on sort là. Vite. Mais non. Non, il va pas faire ce que j'imagine, mais non. Mais attends, c'est pas Furious ou quoi? Alors c'est la vie de ma mère, c'est un truc de malade ce qu'il va faire. Hein, grappe-nous. Descendez. Wouah, les gars, on est les rois du monde, les mecs, on a réussi le plan, c'est ouf. 250 000 dollars. Le GMT Airline. On a fait beaucoup plus que 250 000. Ah ouais? Attends, c'est mis bien, les gars. On a dû faire 3 ou 4 millions, les gars. Putain! Vous venez d'arriver à l'aéroport de Los Santos International. La température extérieure est de 12 degrés. Merci d'avoir pris notre compagnie. A bientôt. Non, non. Tout le monde est arrivé à bon port là. Ah ouais. Allez frère, l'atterrissage c'était chaud. Par on se congratule les gars, bien joué les mecs. Bravo les gars, on les a bien baisés. Bien joué. Les gars, c'est pas fini, restez chauds. Quoi? Oh putain de merde. Ah, vous êtes le pilote, vous voulez être payé? Oui, super. Ah, t'inquiète, on va bien te payer, t'inquiète deux secondes. Attends, je regarde ce que j'ai dans la poche. Eh, pas de pitié, bas les couilles, comme ça on partage que pour nous les gars, on s'en bat les couilles de... Bah il a rien à voir, il était pas à la prise d'otage les gars, comme ça on se partage plus de thunes les mecs. Mais c'était un gars à moi qui grâce à lui on a réussi à s'évader avec les hélicos. Ah ouais? Bah il demandait des thunes les gars, comme ça on a plus à se partager non? Fais les premiers soins. Ah je sais pas si j'ai visé l'oreille ou... Non, je t'ai pas demandé la top dans la bouche, les premiers soins. Bah allez, on se casse. Ah désolé, mais je suis pas à l'aise avec les mecs comme ça, qu'on comprend comme ça au dernier moment, ils pourraient tout balancer. Faut m'en parler avant quand même. Ouais, mais ça rendait bien, je trouve, non? Bah... Petite balle comme ça, c'était joli à voir. Ah, vous avez prévu du lourd, vous avez des véhicules de sport et tout, des jets, mais tous les moyens, c'est un truc de malade. Bah oui, mais les jets, tout est loué, frérot. Dites-vous que le gars au camion, il était en stand-by depuis 1h30 avec son pote, hein. Pour bloquer. Attention, il y a peut-être des crochets qui peuvent arriver dans la bouche, hein. Ça c'est beau, ça c'est la magie du RP. Peut-être des crochets qui peuvent arriver dans la bouche les gars, faites attention. Il devait attendre. Putain c'est... Allez, fais ça clean. Mais je l'imagine, derrière le PC à attendre. Allez vas-y, fais ça bien là. Prends pas la pression, tranquille, prends ton temps. Ok, attention ça bouge. Oh putain ça bouge de ouf là. Oh ça secoue. Il y a les codés, on se barre. Doucement. Tirez pas. On va où? Suivez les flics. Serre-toi de l'aérodynamique du véhicule. Abdel, okay, je suis pas bien. Abdel, la tête de homme, je suis pas bien. J'ai le vertige là. Je vois le vide là, juste à droite. Non ! Les pneus ! Les pneus ! Aidez-nous. Couvrez-nous, les gars. Ça va, on est retombé sur les pneus. C'est bon, on a raté les frères. On a eu de la chance. Ça va, les gars, vous allez tous bien ? Ouais, ça va. Montez dans les véhicules. Putain, je lui fais plus confiance à lui. Mais il a un joystick normalement, ce bâtard. Voilà. Oh là là, le dérapage contrôlé, bravo ça. Les hommes. Wesh. Attends, c'est la police ça? Ah, on a réussi à descendre du cargo, on est en train de foncer. C'était la police, attends, non? Les Schmitt, ils ont voulu nous écraser avec le. Ouais, j'ai pas rêvé, c'était bien les flics là, non? J'ai pas rêvé. Ah putain, bon. Ils nous prennent en filature là, non? Ah ouais, mais y'a une villa et tout, mais vous avez trop d'argent ou quoi? C'est quoi ce bordel, moi? Je citais ma cité, moi. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela. Active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.